Donc, cet atelier, on l'a voulu parce que, comme disait Edwin Plenel dans l'atelier du premier jour, on est quand même en France et dans l'État français dans une situation quand même très particulière où la France est le dernier empire colonial résiduel au XXIe siècle, avec les possessions outre-mer dans les Antilles, Martinique, Guadeloupe, sur le continent sud-américain, la Guyane, sur des îles près de l'Afrique, la Réunion, Mayotte, en Océanie, la Nouvelle-Calédonie, qui s'appelle l'Océanie française, Tahiti, etc. Et là, je parle que, évidemment, parce que c'est plus important, des pays, contrées, terres qui sont peuplées. Et il y a tous les confettis de terres quasiment pas ou pas peuplées. Bon, donc c'est une situation particulière avec des oppressions particulières et des luttes des populations sur place pour leurs droits, en commençant par le droit à l'autodétermination particulière. Donc, on fait cet atelier on a invité donc Gilbert Pagot, qui est dirigeant du GRS Martinique, et donc qui fera un cadrage général de cette question coloniale particulière française, et qui parlera aussi, bien sûr, de la situation et des luttes telles qu'elles se voient en Martinique et sur Guadeloupe. Et on a souhaité évidemment aussi inviter les représentants du peuple kanak, en particulier on avait invité l'USTKE, mais parce qu'il y a de manière générale, on a des liens chaleureux avec eux, et aussi parce qu'il y a une situation là conjoncturelle très importante qui est le référendum pour la souveraineté, pour l'autodétermination, qui aura lieu le 4 novembre 2018, qui est la concession du bout des lèvres faite, ou la manœuvre faite par le gouvernement français après les grandes luttes du peuple kanak en 1986, enfin avant, mais celle qui avait explosé en 86-88 et où ils n'avaient pas pu, ils avaient été réprimés très très durement et dans les années suivantes, et il n'y a jamais eu droit à ce qu'ils expriment leur autodétermination. Et là, ils vont nous expliquer cette situation. Alors, ils n'ont pas pu, parce que le congrès du STKE commence ce week-end, là. Donc, il n'y a pas pu avoir de représentants, ni de Nouvelle-Calédonie qui viennent, ni leurs représentants en France. Ils essayaient désespérément de trouver un étudiant de l'organisation étudiante proche de l'USTKE, mais manifestement, ça n'a pas été possible. Mais heureusement, parce qu'on arrive souvent à résoudre des problèmes, le camarade Daniel Guerrier, qui est là, donc, au bout de la table, qui a été longtemps président de l'ISTKE, qui était l'association... ISDPK. Association Information au Soutien au Droit du Peuple Kanak. Voilà, et qui donc est présent à cette université d'été, et qui donc pourra revenir après l'intervention de Gilbert Pagot sur la situation aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie au moment de la préparation de ce référendum. Il nous dira ce qu'il en pense et ce qu'en pensent les Kanaks, les associations, organisations Kanak sur place. Pour les camarades, à toutes les camarades qui sont présents, cette intervention vient à la suite d'une première intervention que j'ai faite dimanche, où je présentais les luttes coloniales en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane pendant les années 60, c'est-à-dire de 1958 à 1974, où là j'ai montré à la fois les luttes populaires et les luttes anticoloniales qui s'étaient déroulées avec tous les procès, etc. Donc je ne reviendrai pas dessus, mais en fait, ceux qui ont suivi cette conférence vont se rendre un peu plus à l'aise dans l'exposé que je ferai ce matin. L'exposé que je fais, c'est sur la situation postcoloniale et sur la situation, du moins, coloniale, la question coloniale en France, et je vais aborder plusieurs points. D'abord, il y a un premier point qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle d'ailleurs, y compris dans les milieux universitaires, ils appellent ça le postcolonialisme.
et j'ai vu que tout le monde y va fortement. Post-colonialisme, bon, dans l'acception, ce n'est pas ce que je vais dire, mais comment les gens comprennent ça? On comprend ça comme étant, le colonialisme, c'est fini. Nous sommes maintenant tombés dans une période post-coloniale, puisque la décolonisation a été faite. Alors, c'est faux. Parce que la France, elle, par exemple, a refusé la décolonisation, de fait. En particulier, elle a créé en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle a créé ce qu'on appelle l'Union française, avec toutes ses colonies, la Grande Union française. Ensuite, pour ce qu'elle a appelé les anciennes colonies, ce qu'on appelait les vieilles colonies. Alors les vieilles colonies, il s'agit de ces territoires qui avaient été colonisés dès le XVIIe siècle par la France. Et ces vieilles colonies, dès le XVIIe siècle, eh bien, elles ont été fondées d'abord sur la déportation d'esclaves africains qu'on a amenés dans les Amériques, en particulier dans toutes les colonies françaises d'Amérique. Alors là aussi, peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas, mais par exemple, dans la Caraïbe, la France possédait 18 territoires. Maintenant, quand on vous parle des Antilles françaises, on vous parle de la Martinique et de la Guadeloupe. Mais à l'époque, la France avait 18 territoires entre Sainte-Croix, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Christophe, la Guadeloupe, Marie-Galante, la Dominique, la Martinique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Grenade, Tobago et Trinidad. Ce sont donc des régions qui ont été des colonies françaises, dont le centre de la colonisation pour tout ça se trouvait en Martinique. La Martinique servait de centre. Alors ces vieilles colonies, eh bien, ont obtenu, je dis bien, mais nous allons mettre « obtenu » entre guillemets parce que nous allons en parler plus tard, obtenu le statut de DOM, de département d'outre-mer. Département d'outre-mer parce que depuis la Révolution française, lorsque ces colonies ont participé massivement à la Révolution française, là aussi, on parle beaucoup, et c'est avec raison, de Toussaint Louverture et de l'ancienne colonie de Saint-Domingue. Mais on oublie de dire ce qu'a été la force révolutionnaire dans les petites Antilles qui se sont soulevées parce que les esclaves qui étaient là, eh ben, ils avaient entendu dire qu'il y avait une déclaration du 26 août 1789 qui disait que les hommes naissent libres et demeurent égaux en droit. Alors, c'est évident qu'ils ont dit ça, c'est très bien. Et ils avaient imposé une première abolition de l'esclavage qui avait été votée par la Convention le 4 février 1794. C'est le 16 pluvieuse en deux. Et ces vieilles colonies avaient obtenu à ce moment le droit par... une loi qui avait été votée par la Convention, ils avaient obtenu le droit que tout citoyen des colonies devenait citoyen français, c'est-à-dire y compris les Noirs, etc. Ce qui n'a pas été le cas lors de la deuxième colonisation qui commence en 1830, par contre, avec l'invasion de l'Algérie et qui se perpétue après par l'occupation de l'Afrique noire, et puis qui se perpétue aussi avec l'installation en Indochine, dans le sud-est asiatique, et l'installation aussi en Kanaki, c'est-à-dire dans l'Océanie, etc. Mais là, ces colonies qui viennent en 1830 n'ont pas obtenu le statut de vieilles colonies comme les autres, celles dont je vous ai parlé. Elles ont obtenu un statut qu'on appelait le fameux statut de l'indigénat. Je ne sais pas si qui était une autre forme. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ensuite, toujours en 1946, après 1946, il y a eu, lorsque De Gaulle arrive au pouvoir, et qu'il déclare, on fait de lui l'homme de la décolonisation, du moins c'est ce qu'on disait, et le fameux discours de Brazzaville où le fameux discours de Brazzaville où il
préconisait, eh bien, il va créer la communauté française. Et en fait, en 1945-46, en dehors des territoires sous mandat, comme le Liban et la Syrie, qui avaient été attribués après la Première Guerre mondiale, en dehors de l'indépendance du Maroc et de l'Algérie en 1956, qui étaient des territoires sous la Tunisie. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, bon, mais c'est bien, vous corrigez chaque fois que je fais une erreur. C'est une tactique pour voir si vous suivez. Bon, mais alors... Oui, je suis un peu de mauvaise foi. Mais bon, mais vous avez parfaitement raison. Et bien entendu, Maroc et Tunisie, mais qui étaient des protectorats qui avaient été obtenus après les fameux congrès de Berlin. Alors, des fois, je vais faire des citations, si vous voulez, après dans le débat, vous allez me demander, parce que s'il faut que je le précise, congrès de Berlin, tout ça. Et puis, il y a eu cette fameuse loi de fer en 1956, qui permettait une espèce d'autonomie, mais pour ce qu'on appelait les élites colonisées. Et bien, et puis, il y a eu la fameuse punition de la Guinée en 1958, parce que la Guinée avait voté non au référendum de septembre 1958 du général de Gaulle. Et voilà, c'est ça la situation. Il n'y a pas eu, ben, je le répète parce que c'est extrêmement important, il n'y a pas eu de décolonisation faite par l'État français. Elle a conservé ses territoires coloniaux et même les territoires qui ont obtenu l'indépendance, alors en dehors de l'Algérie, mais tous les territoires de l'Afrique noire, etc., on a passé des fameux accords, en particulier sur la question du franc CFA, sur la question de l'armée, la présence, etc., ce qu'on appelle aujourd'hui la France-Afrique, hein, pour aller vite, mais vous n'avez pas eu cette décolonisation. J'insiste, parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas l'idée qu'il y a une bataille anticoloniale à encore mener. Et que cette bataille anticoloniale à encore mener, ce qui est extrêmement grave, c'est qu'on ne l'amène plus. Et, alors pour différentes raisons, nous allons voir ça dans le débat tout à l'heure, mais on ne l'amène plus. Alors je voudrais quand même faire un petit peu le cadre historique de tout ça. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas si vieux que ça, ça soit... 75 ans, quoi, hein, presque, eh bien, il y a trois éléments importants. D'abord, la fameuse victoire des Alliés. Et dans cette victoire des Alliés contre le nazisme, contre le fascisme, etc., il y a une forte alliance entre les puissances coloniales, les grandes puissances coloniales, comme l'Angleterre et les États-Unis. Il y a la résistance française qui s'oppose au régime officiel, entre guillemets, de Pétain, et puis l'alliance avec Staline. Et Staline sort renforcé de cette affaire, face en particulier à son opposition de gauche. Hein, quand je dis opposition de gauche, c'est les trotskistes, mais il n'y a pas que. Hein, et elle sort renforcée, d'autant plus qu'on crée ce qu'on appelle les pays de l'Est, qui deviennent des régimes qui adoptent. Deuxième élément important de cette situation, c'est la période de la reconstruction dans les pays capitalistes. Une reconstruction parce qu'il y a eu beaucoup de destruction, parce qu'il y a eu, bon, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais il y avait les luttes du mouvement ouvrier avant la guerre qui avaient amené un certain nombre de conquêtes ouvrières extrêmement importantes, comme en particulier le Front populaire en 1936, avec toutes les conventions qui avaient été obtenues pour... bon, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais c'est l'époque de ce qu'on appelle, au niveau international, le welfare state, c'est-à-dire l'époque du bien-être. C'est aussi, comme on reconstruit, c'est l'époque de certains plein emploi. C'est le début de ce que des économistes, par la suite, ont appelé les 30 glorieuses, c'est-à-dire le moment où il y aura plein emploi, il y aura un bouleversement, hein, extrêmement important dans l'économie, y compris dans l'économie française, bouleversement démographique. C'est l'époque de ce qu'on va appeler le baby boom,
hein, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'époque du changement de mentalité, du changement de rythme, etc. Et puis, troisième élément de cette période, c'est le début de la décolonisation au niveau mondial, pas pour la France, mais une décolonisation qui affecte d'abord les territoires sous mandat dont je vous ai appelé, dont je vous ai parlé pour la France, y compris aussi les territoires sous protectorat qui disent « Mais attendez, nous aussi, nous voulons participer à cela. » Et là, ça marche. Mais toutes ces colonies avaient participé massivement à la défaite du fascisme. Alors, là aussi, on oublie. Mais en particulier, on a parlé beaucoup des tirailleurs sénégalais. Je ne sais pas si vous connaissez au moins le terme, mais on appelait tirailleurs sénégalais. D'abord, les Sénégalais, c'est vrai. Mais il n'y avait pas que, c'est-à-dire toutes les colonies qui se sont mobilisées massivement pour aller défendre la mère patrie, parce que c'est comme ça qu'on présentait cela. Et il faut voir tous ces gens qui se sont battus et cette décolonisation. Or, alors parmi, il y a un élément qui est caractéristique, parmi les gens qui étaient partis, par exemple en Martinique et en Guadeloupe, qui au moment du régime de Vichy, alors on appelait ça chez nous le régime de l'amiral Robert, et bien parmi ces jeunes qui étaient partis pour aller défendre la France, il y avait des jeunes lycéens, il y avait un petit lycéen qui était plus français que tout le monde, qui s'appelait France Fanon, et qui est parti, qui a fui la Martinique en bateau pour aller rejoindre l'armée anglaise à la Dominique, et pour pouvoir participer à la lutte pour délivrer la France. Et il participe à la marche sur l'Italie, et il remonte jusqu'en Allemagne. Il est très fier de cette bataille qu'il mène en tant que grand Français. Mais c'est au moment où il débarque en France et qu'il mène cette lutte qu'il se rend compte que, mais tiens, attention, il y a des choses. Alors, on a par exemple sa correspondance avec sa mère, où il dit, mais maman, nous nous sommes trompés, nous sommes plus Français que les Français. Il le dit dans la lettre qu'il envoie à sa mère en 1944, au moment où il a débarqué en France pour participer. Je donne cet élément. Ensuite, oui, mon Dieu, voilà, c'est mon gros défaut dans la lecture et droit. Dès que vous en avez marre, vous me dites j'arrête. Ensuite, une deuxième période extrêmement importante, c'est la période qui va de 1949 à 1956. Cette deuxième période, alors j'essaie d'aller vite, là, c'est la division brutale. Ah ouais, brutale. J'enlève le mot brutal. C'est la division entre les alliés qui vont créer ce qu'on appelle deux blocs, le fameux monde libre, face au monde qu'on appelle le rideau de fer. Je n'explique pas. Mais ça, c'est extrêmement important. Le deuxième élément important, c'est la mise en place, le renforcement du socialisme bureaucratique et la mainmise stalinienne. Hein? Mais ce renforcement bureaucratique et la mainmise stalinienne, eh bien, entraîne déjà des débuts de crise. Et en particulier, l'Allemagne de l'Est, ou bien la Yougoslavie avec Tito, ou bien la Hongrie en 1956, ou encore la Pologne, hein, tous ces pays. Et autre élément de crise dans ce socialisme bureaucratique, c'est l'apparition de la révolution chinoise en 1949. Et ça, c'est un élément qui joue. Et troisième élément, eh bien la France, dans ça, non seulement continue sa politique de refus de la décolonisation, mais elle s'engage dans la guerre en Indochine contre l'indépendance de l'Indochine, et elle s'engage dans la guerre d'Algérie. C'est extrêmement important. Alors, bien entendu, il y a la loi de fer. Je vous ai dit qu'il y a une petite retouche, mais en même temps, la France, par exemple, soutient l'agression du fameux canal de Suez en 1956. Alors, je fais beaucoup d'allusions, vous m'excusez, mais c'est pour respecter un petit peu le temps qu'il... Et puis on arrive à une troisième période qui est extrêmement importante, et qui est importante pour nous tous, mais pour le courant
NPA, qui est en tous les cas un certain nombre d'éléments dans cela. C'est l'époque où, politiquement, la situation est jugée comme étant celle qui apporte trois éléments qu'il faut mettre ensemble. Ces trois éléments qu'il faut mettre ensemble, c'est la crise des pays au régime bureaucratique. Après la mort de Staline et le fameux 20e congrès de 1956, et on sait que ces pays-là sont en crise. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, ce sont les premières réactions ouvrières dans les pays développés, en particulier en France. C'est la fameuse grève des mineurs de 1963 qui a été extrêmement importante. Alors, je ne donne pas les exemples aussi en Angleterre, en Allemagne, etc., qui existent. Mais c'est surtout mai 68 qui prouve que les pays développés, qu'il s'agisse de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, des États-Unis, du Mexique, du Japon, de l'Italie, ce sont tous ces pays-là, et y compris dans les colonies, si vous étiez venu dimanche, alors tant pis pour ceux qui ne sont pas venus, vous auriez vu que, y compris dans les colonies, ça avait un poids extrêmement important, et ce deuxième élément est important. Et c'est aussi, à cette époque, un déferlement mondial de la décolonisation à laquelle ne peut plus résister la France. D'abord, il y a la fameuse conférence de Bandung. Il connaît toutes les dates, c'est bien. Oui, il me corrige et il donne les dates. Donc c'est bien. Mais tu as raison. Ensuite, il y a un élément important. Alors, on le ressort de son contexte, mais il est important, c'est le défi cubain. Les Cubains montrent que la révolution est possible. Hein, et avec quelqu'un comme Che Guevara et toute l'équipe. Or, le défi cubain, alors quand je dis, il faut me dire que c'est beaucoup plus large, ce n'est pas que le défi cubain, c'est toute une région qui, à l'époque, est en révolution. C'est le Venezuela, par exemple. Personne, on n'en parle plus parce qu'ils ont échoué, mais le Venezuela en 58, un an avant la révolution cubaine, le Venezuela était le pays phare. D'ailleurs, la première démarche de Fidel Castro, après son entrée à La Havane le 2 janvier 1959, a été moins d'une semaine après de se rendre au Venezuela pour signer un accord au Venezuela et pour dire que nous allons soutenir toutes les révolutions qui vont se dérouler dans la Caraïbe, c'est-à-dire les luttes qui se menaient contre Trujillo à Santo Domingo, les luttes qui se menaient en Haïti contre Duvalier, les luttes qui se menaient au Costa Rica, les luttes qui se menaient à Panama, les luttes, tout cela. Et c'est l'époque d'ailleurs où on fait ce fameux plan pour contrer ce qu'ils appellent la révolution cubaine et le débordement de la révolution cubaine. Et c'est l'époque où le gouvernement français décide d'appliquer aux Antilles, Guyane, la même, alors que ce sont des départements français, eh bien, les lois d'exception, à savoir, on met en place la Cour de sûreté de l'État, on met en place des lois d'exception, comme par exemple l'ordonnance du 15 octobre qui permet de déplacer tout fonctionnaire, etc. Le défi cubain, etc. C'est ce déferlement de la décolonisation, c'est aussi les noms alignés. C'est aussi toute l'Afrique qui est indépendante en 60. C'est aussi le massacre de Lumumba. Et puis c'est surtout l'indépendance de l'Algérie en 62. Hein. Donc voilà une période, un contexte où lorsqu'on met en place, lorsqu'on arrive à allier la crise des pays démocratiques, les luttes ouvrières et enfin le déferlement de la décolonisation, c'est l'époque où en France, mais aussi dans... Alors en France, j'ai été étudiant à ce moment, mais en France, mais nos manifs, c'était quoi? C'était, je me souviens, des fameux mots d'ordre. C'était de Paris à Varsovie, ensuite de La Havane à Alger, et puis... une seule solution, la révolution, et en parlant en particulier, donc en liant
Ces trois facteurs, ça a été un élément extrêmement important, d'ailleurs, de la mobilisation. Mais c'était l'époque où on se battait beaucoup sur ces points-là. Et puis, on passe à une autre période, après les années 70, jusqu'à la moitié des années 90. Je vais vite, c'est l'époque du fameux double choc pétrolier. C'est la fameuse crise de longue durée qui s'ouvre à ce moment. C'est la fin des 30 glorieuses, c'est-à-dire du plein emploi, etc. Bon, dans les années 71-70, où j'étais étudiant à Paris, je me souviens que les patrons venaient chercher les étudiants à la Sorbonne. Ils venaient proposer des emplois, ils vont proposer des salaires tellement intéressants, 2 à 3 fois plus élevés que la bourse, que beaucoup d'étudiants qui étaient avec moi sont allés dans cela parce que c'était l'époque encore riche. Eh bien, il reste quoi ? Oui. Et puis, c'est l'époque, alors, aussi, ce qui est important dans cela, parce que non, j'explique cette crise, parce que ça explique que la social-démocratie européenne qui arrive là va s'enfoncer encore plus dans le libéralisme. Et se renforçant dans ce libéralisme et le fameux tournant de la rigueur Mitterrand 1984, ou bien de Tony Blair en Grande-Bretagne, ou encore aussi des sociodémocrates en Allemagne, etc., eh bien, ces gens-là mènent une politique coloniale extrêmement dure. Il faut se rappeler que pour la Kanaki, c'est l'époque de l'assassinat de Machoro. Mais c'est sous Mitterrand, ça. Et c'est quelque chose qui est ordonné en Machoro. C'est l'époque, après, de Chirac et Ouvéa. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Mais on pourra parler de l'histoire de la montagne d'or, parce que c'est encore un autre drame extrêmement important. Eh bien, il y a une désillusion politique extrêmement forte dans toutes ces vieilles colonies, comme on l'a dit en particulier. Et Chirac, qui a compris cela, il décide d'assouplir son approche. Assouplir son approche parce que dans la période précédente, le fait de dire que vous étiez indépendantiste, vous étiez poursuivi. Vous disiez que vous étiez indépendantiste ou autonomiste, vous étiez poursuivi ou rayé de votre emploi. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Hein. Dans des territoires qui se disent, que l'on dit qu'ils sont des départements français. Hein. Donc, il décide d'assouplir son approche et il propose un référendum en 2003 aux Antilles, leur disant, si vous ne voulez plus vraiment être département d'outre-mer, faites votre choix, mais vous faites votre choix dans le cadre de la République française. Vous choisissez entre l'article 73 ou l'article 74. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, où les gens choisissent entre l'article 73 ou l'article 74. Mais tout ça, ça reste dans la Constitution française. Vous êtes quand même dedans. Si vous êtes 73, vous êtes sous le régime commun. Vous ne comprenez rien, mais moi non plus. Vous êtes sous le régime commun, mais si vous êtes 74, tout en restant français, vous avez le droit de discuter de 2 ou 3 points, mais qui seront décidés par l'Assemblée nationale française, qui, si elle n'est pas d'accord, peut dire non à ce que vous aurez proposé. Bon, là aussi, est-ce que vous comprenez? Vous comprenez simplement que ça ne change rien du tout. Bon, donc c'est un référendum qui est... Ensuite... il y a aussi des démarches, en particulier, quelque chose d'important, là aussi l'adjectif peut-être qu'il veut, c'est le fameux accord de Basse-Terre de 1998 entre les trois régions de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane. Alors c'est mené par quelqu'un qui a été 2 fois ministre de Chirac, c'est Madame Michou Chevry, qui est présidente de la région de la Guadeloupe, et puis c'est mené avec un indépendantiste martiniquais qui s'appelle Marie-Jeanne, et c'est mené par un autonomiste guyanais
qui s'appelle CARAM. Bon, bref, tout ça, ils font un accord en disant que nous allons faire de nouveaux statuts. Et on propose une modification institutionnelle et on va faire bon, des collectivités territoriales avec des procédures dites d'expérimentation. C'est-à-dire que vous pourrez expérimenter dans votre collectivité territoriale eh bien, un comité pour l'énergie, ou bien un comité pour les transports, ou un comité de coopération avec les pays de la région. Voilà, ça sert de nombre d'éléments qui sont proposés dans tout cela. Tout ça, c'est pour vous dire que nous sommes tout de même, et j'arrive à ma conclusion là, pour cette partie avant vos réponses, nous sommes tout de même dans une situation où politiquement il n'y a pas de réponse à la question fondamentale du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à se diriger eux-mêmes, à coopérer y compris avec la France, coopérer avec la France, avec les travailleurs français, avec les organismes. Mais il n'y a pas de réponse à cela. Et par conséquent, la question coloniale, on a besoin non seulement du côté des pays colonisés, mais nous allons en parler dans la discussion, mais maintenant du côté du pays qui colonise, eh bien, du soutien et révolutionnaire, ça doit redevenir, en tous les cas, ce qui avait été une des marques de l'anticolonialisme en France dans les années 60 et 70, et qui, à mon avis, a un peu disparu. Alors, je ne suis pas un reproche, hein, je n'ai pas aligné là pour recevoir les leçons, mais c'est pour dire qu'il ne faut pas se laisser tromper par la propagande impérialiste et l'histoire de post-colonialisme. Eh bien, il faut que vous rejetiez tout cela. Merci de m'avoir écouté. J'ai tout de suite envie de réagir à ce qu'il vient de dire le camarade Pagou, car du coup, il a vraiment bien brossé tout le tableau de la colonisation française qui perdure, effectivement. Et j'ai juste envie de rajouter quelque chose d'historique. Il a cité un moment le Front populaire. Le Front populaire, comme vous le savez, d'aucuns ont dit que ça avait été une révolution manquée, comme mon camarade Daniel Guérin. Mais ça n'a pas été simplement une révolution manquée, ça a été un rendez-vous manqué de la décolonisation. Car faisaient partie prenante du Front populaire tous les grands dirigeants qui vont apparaître dans les villes d'après. Ho Chi Minh en était, Messaliac en était, Bourguiba en était. Ils étaient partie prenante du Front populaire. Quand on pense que Blum va effectivement dissoudre l'étoile nord-africaine en 1937, alors que l'étoile nord-africaine faisait partie du Front populaire. Et à l'époque, il était tout à fait possible de s'asseoir autour d'une table, car tous ceux qu'on va retrouver après dans les luttes étaient présents et étaient camarades ensemble. Je le dis effectivement sous couvert de Daniel Guérin, qui à l'époque animait la commission anticolonialiste du Front populaire et s'est retrouvé très très isolé, parce que les sociodémocrates déjà de l'époque étaient totalement les soutiens de la colonisation, car la colonisation est aussi malheureusement l'enfant de la Troisième République. Alors après, je vais d'où je parle. Je m'appelle Daniel Guerrier, je me suis impliqué dans le combat anticolonialiste quand j'avais 15 ans au moment de la guerre d'Algérie, soyez rassurés, plutôt du côté des Algériens. Dans les réseaux Vidal Laquette, ça c'était lié à ma famille. Et j'ai rapidement fait connaissance justement de Daniel Guérin et j'ai accompagné Daniel Guérin dans toutes ses luttes anticolonialistes. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a missionné dans le Pacifique. Quand, pour des raisons professionnelles, car je naviguais dans la marine marchande, j'allais régulièrement dans le Pacifique. Et donc j'ai rencontré des dirigeants historiques comme Pouvahana, le grand dirigeant polynésien, qui avait passé 15 ans de sa vie en exil en métropole parce qu'on l'avait faussement accusé d'avoir voulu incendier Papété, mais c'était complètement une machination. Et je l'ai rencontré dès cette époque, donc en 67, quand je vais pour la première fois le Nouvelle-Calédonie, le vieux Yann Séléné Ouregueil, qui va être un dirigeant du FULC, Front Uni de Libération Kanak, qui va être partie prenante du Front et qui va être la tendance la plus radicale du Front. Donc ma connaissance de la Nouvelle-Calédonie et des Kanak date de 67. Par le vieux Yann, je rencontre des jeunes militants qui, après, vous allez connaître, parce qu'ils vont vieillir, tout comme moi.
Et ils vont venir, y compris des représentants du Front. Vous avez tout ce que nous, Jimmy Minari, qui était un grand copain, qui a été longtemps le représentant du FNKS en France. Et j'étais un très grand ami de Manaïn Ouregueil, le frère de Louis Cotra Ouregueil, tous les deux fondateurs du STK en 1981. Et Manaïn a été représentant du Front en France. Donc mon compagnonnage, je ne suis pas le Kanak, je ne suis pas non plus Caldoche, je pourrais répondre sur qu'est-ce que c'est qu'un Caldoche. Je ne m'autoriserai absolument pas à parler au nom des Kanaks. On ne va pas faire non plus du colonialisme à l'envers ou du paternalisme à l'envers en disant qu'est-ce qu'ils devraient faire. Ils sont face à une situation, les uns réagissent d'une façon, les autres réagissent d'une autre. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas ma propre idée, mais je ne m'autorise pas ce rôle-là. Et d'ailleurs, là, on me demande de présider, enfin de co-présider au pied levé. Ce n'était pas du tout prévu, je devais être dans la salle avec vous. Ça veut dire aussi que si je vous emmerde, on s'arrête. Et puis que je peux parler d'autre chose. Et qu'en plus, je ne suis pas toujours d'accord avec moi-même, donc je suis très ouvert. Alors, comme je ne sais pas du tout ce que vous connaissez de l'histoire de Macédonie, j'ai envie de vous lire une petite fable qui résume à elle toute seule l'histoire et l'arrivée des Français en Nouvelle-Calédonie, donc prise de possession en 1853 avec l'amiral de France, mais ça avait été découvert bien avant par des navigateurs, jusqu'à aujourd'hui. Donc je m'autorise à vous lire ça, vous verrez que ça a un petit côté poétique, voire enfantin, mais qui résume tout. C'est peut-être plus simple et ça va vous mettre complètement au jus du dilemme dans lequel et la population kanak aujourd'hui. Ça s'appelle la démocratie du gourou. Nous vivions paisiblement dans une maison entourée d'un jardin fertile. Sur une partie caillouteuse éloignée de la maison, une cabane où nous remisions les outils. Un jour, deux étrangers frappèrent à notre porte. Comme de coutume, et la coutume c'est important chez les kanaks, nous offrîmes l'hospitalité. Dès le lendemain, ils nous réunirent et déclarèrent « Nous vivrons désormais ici. » Ils avaient les armes à la main, nous dûmes nous soumettre. Quelque temps après, un des nôtres protesta contre l'intrusion. Ils le tuèrent. Ils firent venir des leurs, prirent pour domestiques des hommes d'une île voisine. Alors ils nous expliquèrent « La cohabitation n'est plus souhaitable. Vous ne vivez pas comme nous. » Et de toute façon, la maison n'est pas assez grande. La cabane au fond du jardin reste inutilisée. Vous vous y installerez. Plusieurs années s'écoulèrent. Nous décidâmes de ne plus supporter cette situation. Nous allâmes réclamer justice auprès des autorités du pays. Qu'à cela ne tienne, nous répondit-on, nous organiserons un vote de tous les résidents de ce domaine. La voix du pouvoir ajouta, un vote dans le respect de la démocratie. Un homme, une voix. Dans la cabane avec les enfants, nous étions 7. Dans la maison avec les domestiques, ils étaient 10. Nous sommes kanaks. C'est exactement le problème du référendum qui approche. À vrai dire, on a écrit ça avec des amis dans les années 80, au moment des événements, et on avait fait croire que ça avait été écrit par Louise Michel. Mais parfois, on est facétieux. Mais pourquoi Louise Michel? C'est très important. Vous connaissez l'histoire du bagne, à la fois droit commun, à la fois politique. Des milliers de déportés de la commune ont été en Nouvelle-Calédonie, dont Louise Michel. Des milliers de déportés des insurrections kabyles de 1971 et l'Ukraine ont été déportés là-bas. Et au moment de l'insurrection de la taille. Déportés de l'insurrection de 1870 de Martinique. Y compris aussi de Martinique. Et quand en 1878, la première grande révolte, disons, unifiée kanak autour du chef de la taille a lieu, malheureusement, la grande majorité des déportés communards, compte tenu de leur idéologie de l'époque, demandent des armes à leurs gardiens pour mater les galimbales. Et il n'y a que Louise Michel et un tout petit groupe avec Charles Malato qui se met du côté des Kanaks. Et qui non seulement se met du côté des Kanaks, mais qui remet à des émissaires d'Ataï un drapeau de la commune de Paris. Et c'est ce qui explique que plus tard, ils vont s'appeler les foulards rouges. Et sachez que c'est les foulards rouges.
Et c'est, sachez que si vous allez en Nouvelle-Calédonie, y compris en tribu, Louise Michel est très, très, très populaire. Parce qu'en 1880, son temps étant fini et qu'elle va rentrer en France, à l'époque, c'est quand même peu peuplé. Les Kanaks sont peut-être en 1880, disons 50 000. 20 000 Kanaks sont sur le port de Nouméa pour dire au revoir à Louise Michel. Encore, puisque vous avez apprécié ce petit texte, un autre petit texte écrit par, pas du tout par n'importe qui, mais par Jean-Marie Chibao lui-même, qui était un de mes amis. Je précise tout de suite, Yewene et Jean-Marie Chibao étaient mes amis, mais je connaissais aussi bien celui qui les a assassinés, que je considère lui aussi comme une victime, et je lui en rends hommage aussi, vous comprendrez pourquoi je dis ça, c'est Jubali Mouer. Voilà comment Jean-Marie Chibao écrit pour Mélanésia 2000 en 1975 aussi l'arrivée coloniale. Excusez-moi, mais tout ça, vous avez compris, parfois vous pouvez m'émouvoir, puisque ça parle de camarades qui, compris, sont morts. Et parfois entre eux. Et d'avoir des amis qui s'entretuent entre eux, c'est pas forcément facile à vivre. Jean-Marie écrit pour le grand festival Mélanésia 2000 de 1975, qui est pour la première fois une mise en avant de la culture kanak, parce que sachez que quand j'arrive en 1967 à Nouméa, et j'ai l'habitude de l'Afrique du Sud, pour des raisons professionnelles aussi, de l'apartheid, j'y découvre exactement l'apartheid. Si vous connaissez Nouméa, il y a la grande place des cocotiers. À l'époque, aucun kanak, et ce n'était pas interdit par la loi, osait mettre les pieds sur la place des cocotiers, qui était la place des Blancs. Point. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans l'apartheid, d'une certaine façon, ça n'a pas vraiment changé. Donc Jean-Marie Chibao mène d'abord un combat culturel, il met en avant la culture kanak, que bien entendu, les gens de Nouméa n'imaginaient même pas qu'on puisse parler de culture kanak. Et il dit, ils sont arrivés sur des pirogues immenses, un grand bateau. Ils avaient la puissance des génies, le fer, le feu, et une parole qu'ils disaient de vérité, y compris religieuse. Nos vieux les prirent pour des dieux, nous les prîmes pour des pères. Ils étaient venus pour autre chose, ils ne nous reconnurent pas comme fils. C'est une façon de... Bon, maintenant je rentre plus dans le sujet. Mais je ne sais pas si vous avez apprécié de rentrer dans le sujet de cette façon-là. Ah oui. Où on en est maintenant? Il faut à tout prix revenir sur ces fameux accords Matignon. Les accords Matignon, c'est 88. Donc déjà, je fais des retours en arrière... La Nouvelle-Calédonie, effectivement, est par exemple le territoire d'outre-mer qui a le gouvernement territorial le plus ancien. Ils en ont un depuis 58. Mais dans la main des colons. Ensuite, il y a eu différentes luttes et différentes discussions, différents statuts. En particulier, il faut vraiment parler de Nainville-des-Roches, qui est une conférence en France, ou d'ailleurs Jean-Marie Chibao, Yewene, tout ça sont déjà présents, parce que dans l'Union calédonienne, qui est un vieux mouvement, fondé en réalité après la Deuxième Guerre mondiale, et à vrai dire fondé par peur du communisme. Pourquoi? On avait fait venir, pour travailler dans les mines, beaucoup d'Indochinois, en particulier de Tonkinois. En 1946, les mines... En Nouvelle-Calédonie, se couvre de drapeaux rouges, effectivement de ces mineurs Viet Cong. La France a très 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 peur, en réalité on va les renvoyer chez eux. Et les églises, aussi bien protestantes que catholiques, ont suscité des associations, y compris pour mener des kanaks. Alors pourquoi il n'y avait pas de kanaks dans les mines? Parce qu'on n'avait pas réussi réellement à les exploiter, c'est-à-dire qu'ils s'y refusaient physiquement, y compris en se laissant mourir, y compris en se faisant massacrer. Il faut quand même savoir que on pense qu'en 1853, les Kanaks étaient représentés à peu près 80 000 individus et qu'ils étaient plus que 15 à 20 000 vers 1915-1920. Maladies, massacres, désespoir, suicides, et tout ça, à tel point que les colonisateurs de l'époque disaient « le problème Kanak va se régler tout seul, ils vont disparaître ».
sachez qu'ils ont déjà gagné sur ce plan-là. Et c'est important de le dire, puisqu'aujourd'hui, ils sont plus de 100 000. Donc, quel que soit ce qui se passe pour les Calédoniens dans les prochains mois, ça, c'est déjà gagné. Le peuple kanak, eh bien, le génocide n'a pas marché, il s'est inversé. Sur la culture, ils ont gagné aussi, puisque maintenant, leur culture est reconnue. C'est des points fondamentaux, puisque maintenant, il y a un sénat coutumier, et quand on dit la coutume kanak, ce n'est pas que la coutume qu'on fait comme ça d'hospitaliser, c'est vraiment la culture et même la civilisation kanak qui, par bien des points, peut nous donner des leçons de démocratie, y compris à nous aussi. Pourquoi je dis Nainville-les-Roches? Parce qu'à Nainville-les-Roches, alors, oui, l'Union calédonienne, donc, qui va être issue de ces associations créées par les religieux, et ça va devenir l'Union calédonienne avec un pharmacien caldoche qui s'appelle Manormand. Et c'est, bon, aussi, enfin, le slogan était « Deux couleurs, un seul peuple ». Mais c'était aussi pour calmer les choses de peur de ce parti communiste calédonien qui avait existé avec Jean Tunica en 1946 et ses amis chinois. Donc ça vient de là. Mais des jeunes de l'Union calédonienne, et là, Macheron, Pierre de Clercq, effectivement métropolitain là-bas, mais qui s'était mis au service de l'Europe. Yewene, Jean-Marie Chibaou, qui est un autre qui s'appelle François Burg. Donc cinq jeunes, en 77, vont faire basculer l'Union calédonienne de la revendication d'autonomie à la revendication indépendante. Sur les cinq, ils sont tous morts, quatre assassinés. Et y compris assassinés, dont on ne connaît toujours pas exactement ce qui s'est passé. Sur Pierre de Clercq, on ne sait rien du tout. Pardon, mais excuse-moi. Mais après, ça n'aide pas forcément d'être par derrière. D'abord, il y a des places, là. Non, mais OK. OK. Donc, c'est pour vous situer quand même la gravité du problème. On n'est pas en train, on n'est pas dans de la rigolade. Et quand le copain a fort raison de dire que le système colonial est en place, ces réseaux sont en place, et pas que les réseaux gouvernementaux. Aussi en Calédonie, se sont rapatriés en Calédonie des pieds noirs après la guerre d'Algérie, dont d'authentiques anciens dirigeants de l'OAS, comme Maresca, dont des gens comme Morini, qui a dirigé les milices de la Fleur. Et ces gens-là sont prêts à reprendre le fusil, vraiment. Dans les années 80, ils avaient fait des listes de gens à abattre, et je possède dans mes archives ces listes. Donc, c'est pour un peu situer l'ambiance. Alors, qu'est-ce qui se passe en 83? Les Kanaks, et c'est tout à leur honneur, inventent la notion de victime de l'histoire. Qu'est-ce qu'ils appellent victime de l'histoire? Ce sont les descendants de bagnards, bagnards droit commun, parce que quand on était politique, on était renvoyé en métropole, à qui on donnait des terres avec un système de semi-liberté, et c'était une façon de coloniser aussi, en leur donnant des terres. Car beaucoup d'éleveurs broussards sont des descendants de bagnards. Victimes de l'histoire aussi des descendants des gardiens qui sont restés, victimes de l'histoire aussi des colonisations libres, par exemple des paysans d'Alsace-Lorraine qui avaient refusé d'être enrôlés dans l'armée allemande en 70, qui étaient venus là, des gens importés comme des réunionnais pour la canne à sucre, ça s'est fait aussi. Et donc les Kanaks reconnaissaient que s'il y avait un référendum un jour, ces gens-là avaient le droit de participer au vote en tant que victime de l'histoire. Et vraiment, c'est tout à l'honneur des Kanaks d'avoir fait cette proposition, mais qui va se retourner contre eux, vous allez comprendre. Si aujourd'hui, au référendum qui va avoir lieu, on en était resté à la définition de victime de l'histoire, comme je vous le dis, 30 000 individus participeraient au référendum en dehors des Kanaks. Or, les Kanaks, aujourd'hui, n'en représentent que 38,9% de la population. On les a rendus volontairement minoritaires chez eux, quand je dis volontairement, y compris par des circulaires ministérielles, la circulaire Mesmer de 72, disant aux commissaires, il faut faire du blanc. Faire du blanc, c'est les rendre minimum minoritaires, et faire du blanc, c'est pas forcément faire venir des blancs, y compris faire venir des Antillais. Et c'est arrivé qu'il y ait eu des discriminations de la part d'Antillais vis-à-vis de Kanak, c'est-à-dire en inventant une hiérarchie dans les degrés dans le fait d'être racisé. Donc, le référendum, si on en était resté là, d'une certaine façon, serait gagné. Or, je vais vous expliquer qu'il va être perdu.
mais tous les dirigeants de Canal sérieux savent qu'il va être perdu. Et pourtant, certains choisissent d'y aller, d'autre part, on y reviendra. Pourquoi ? C'est parce que le gouvernement, depuis cette époque, s'est employé à faire glisser ce corps électoral bloqué. Alors, corps électoral bloqué, c'est vrai que c'est anticonstitutionnel du point de vue de la Constitution française. Il a fallu prévoir des exceptions. Normalement, tout Français a le droit de vote. Et c'est un territoire français. Mais là, il y a un corps électoral particulier, mais dans lequel, petit à petit, on a fait rentrer des gens, si bien que le 4 novembre, pourront voter en fin de compte. Des gens qui pourront prouver qu'ils avaient domicile, et domicile ça peut être une boîte aux lettres, en Nouvelle-Calédonie avant 98. Mais c'est pas du tout la même chose que le corps électoral bloqué au bout de l'histoire. Si bien que dans le futur référendum, seulement 35 000 individus vont être exclus de ce vote alors qu'ils votent à toutes les élections parce que citoyens français, sur un corps électoral d'environ 200 000. À partir de là, compte tenu que les Kanaks sont minoritaires, à partir du moment où on va faire voter, y compris toutes les nouvelles populations venues avec le boom du nickel des années 60-70, et y compris même des populations venues après les événements des années 88, ce qu'on appelle les événements, mais qui a été quand même une vraie guerre, mais l'Algérie aussi, on appelait ça les événements d'Algérie, mais je vais y revenir, pour les Kanaks, ça a quand même été une vraie guerre, compte tenu de leur petit peuple. Juste pour signifier ça. Quant au massacre d'Ouvéa, il y a 19 morts kanaks. Si vous faites un ratio pour ce petit peuple, c'est comme si nous avions demain 20 000 morts. C'est-à-dire l'équivalent des morts de la commune de Paris qui a assommé la population française sur deux générations. Il faut aussi avoir ça en tête pour comprendre à quel point les kanaks ont été assommés par le massacre d'Ouvéa. Donc en fin de compte, pour eux, c'était une guerre. Pas simplement des événements. Eh bien, du coup, le référendum, par ces différents subterfuges, effectivement, d'avance, on en connaît le résultat. Alors, curieusement, la puissance coloniale, dont nous sommes des citoyens, mais nous sommes des anticolonialistes citoyens de la puissance coloniale, et c'est ce qui nous donne le devoir de réagir, parce que ça se fait en notre nom, en mon nom et en votre nom, va considérer que le référendum est perdu s'il ne va pas dans le sens des Kanaks. C'est pas banal de la part d'une puissance coloniale, mais c'est ce qu'il y avait dans les accords Matignon et Nouméa de 98. Et du coup, les Kanaks vont avoir deux parties gratuites. Ils pourront réorganiser un référendum en 2020 et en 2022. Il n'y a aucune raison que les trois ne soient pas perdus, compte tenu, y compris de ce que j'ai parlé des rapports démographiques, et j'y reviendrai, et comment vont voter les communautés non kanaks, que je pourrais appeler les blancs entre guillemets, mais qui ne sont pas tous blancs. Face à ça, un des problèmes gravissimes, c'est que quand ces référendums auront eu lieu, et la France va peut-être le faire dès le résultat du premier, la France pourra remonter à l'ONU en disant « Écoutez, nous on a fait jouer la démocratie, la démocratie a parlé, nous lui demandons d'enlever la Nouvelle-Calédonie de la liste des pays à décoloniser. » En s'appuyant sur la démocratie référendaire avec la démocratie du coucou. Et en fin de compte, on fait un référendum, mais on en connaît le résultat d'avance, et les Kanaks ont été rendus minoritaires par une politique volontariste de peuplement pour aboutir à ça. Ça, c'est un aspect gravissime. En revanche, un petit aspect qui peut, parce que c'est pas très drôle ce que je vous présente comme horizon, il y a quand même une chance. C'est que tout récemment, c'était pas clair dans les accords, mais ça a été redit. La situation d'autonomie actuelle de la Calédonie qui n'est pas moindre. Sachez que, par exemple, les Corses, aussi bien nationalistes du FLNC que autonomistes d'aujourd'hui, réclame d'obtenir le même niveau d'autonomie que la Calédonie d'aujourd'hui. C'est pas banal venant du FLNC. Ce qui prouve quand même que cette autonomie n'est pas moindre. Ils ont un gouvernement, ils ont des ministres, ils ont un budget, ils ont des impôts, et en réalité, ce qui leur échappe, c'est ce qu'on appelle le régalien. La monnaie, la justice, les affaires étrangères, l'armée. Mais déjà, dès à présent, ils ont un très haut niveau d'autonomie. Ce qui ne veut pas dire, je précise,
que là-dedans, les communautés non kanak n'y ont pas un énorme pouvoir.